It has 6 years now. And this is a fair la trama, serves an objective de faire la progression de la colère. It is only the Minister of Defense Force leading this institution as regarding the employment of مجالات التدخل معلومات عن سوق العمل juste c'est fait et puis donner le contrat aux jeunes d'en faire vraiment de générer avec certaines entreprises, permettre aux jeunes d'être vraiment à intégrer ou d'être recrutés dans d'autres entreprises. C'est un programme qui vient d'être, c'est une école d'espérance qui permet aux jeunes de confirmer ou de consolider leurs qualifications tout ayant une expérience pratique. Donner une importance, pourcentage important pour le recrutement de la jeunesse. Et encore, l'Office national pour la promotion d'emploi fait aussi la promotion de l'intégration et répondant aux exigences de nombreuses entreprises pour qu'une autre qualification et l'expérience professionnelle est déterminante pour une embauche et d'introduire les jeunes diplômés sans expérience dans les milieux professionnels par le bien des stages pratiques, d'exploiter des potentialités de formation existant dans les entreprises et vu des qualifications de jeunes diplômés sans expérience professionnelle. Surtout l'Office national pour son poids, ça veut dire aux jeunes de diplômés tchadiens âgés de 8 ans et comptant de toutes catégories, de sexe n'ayant aucune expérience professionnelle et à la recherche d'un emploi, ces jeunes doivent s'inscrire au préalablement à l'ONP. La stratégie du programme de l'emploi. Voilà. Sélectionner des candidats à un programme, le FIS, programme sur la base des profils liés, c'est-à-dire à la politique du gouvernement ou du pays, s'inscription d'un engagement tripartite. De donner la chance pour la jeunesse pour le travail. La durée, six mois, peut éventuellement être adaptée en fonction du niveau initial du demandeur d'emploi. L'ONP assure le frais de transport dû à la souscription d'une assurance maladie ou lieu de stage. C'est-à-dire l'Office national pour la promotion d'emploi a une direction conseil d'administration. C'est ce conseil qui oriente, c'est-à-dire qui prend la décision pour le fonctionnement de cette institution. Et puis, parce qu'on travaille aussi en étroite collaboration avec le syndicat, et juste c'est pour protéger le droit des employés ou des gens qui viennent chercher vraiment un emploi. Surtout, l'Office national, c'est constitué de jeunes en différents services. Et l'Office aussi des équipes tout son programme dans tout chaque mois concernant, c'est-à-dire la formation pour le jeune, surtout. L'Office soutient aussi le programme de formation professionnelle concernant l'intégration. Et dans au cours de ce programme, elle soutient le programme de microcrédit qui aide la jeunesse pour leur promotion ou de trouver un travail sans toutefois vraiment intégrer dans les fonctions publiques. Beaucoup de programmes ont prendre le Office national pour la promotion d'emploi. C'est juste pour permettre à la jeunesse de trouver un travail dans différents domaines, c'est-à-dire miniserie, culture.
culturel, d'autres activités, le commerce, etc. Et là, ça leur permettrait aussi de sortir dans la situation qu'ils ont. Surtout les jeunes qui cherchent du travail, nous on est en train de les aider beaucoup. Et ces programmes, c'est être plus de radiquer ou bien d'aider les jeunes de sortir de, dans le chômage, du chômage. Nous on est en train de beaucoup de projets, surtout programme de l'agriculture. Pour que les jeunes bénéficient de ces vraiment. Et surtout les bénéficiaires. Et puis, encore et même après, ils vont recruter des gens. Et au fur et à mesure, à chaque fois, nous on fait comme ça. De faire leur projet. Et là, c'est juste pour aider ces jeunes d'être toujours. Et le fils aussi, presque des années en train de travailler dans ce domaine, son objectif initial de tracer vraiment un intérêt et pour permettre à cette jeunesse de faire son chemin sans toutefois être guidé. On fait ça dans les différents arrondissements de N'Djamena, aussi dans le Pérez aussi. L'office de notre province, on reçoit le bénéficiaire jusqu'à on le suit jusqu'à le bout de leur projet. De ce programme, presque plus de centaines. Les jeunes ont déjà vraiment recruté dans d'autres entreprises, maintenant ils sont en train de travailler. Et là aussi, c'est grâce à l'appui de l'Office national pour la promotion d'emploi, avec grâce à la formation qu'on a pu vraiment à donner à ces jeunes. Maintenant, ils ont vraiment d'expérience pour travailler dans n'importe quelle entreprise. Programme qui a été annoncé par l'Office national pour la promotion d'emploi pour permettre aux jeunes de trouver travail. À travers d'autres activités. On a vraiment des matériels, des agricultures, pour l'agriculture et l'élevage. Et puis on les a formés dans le domaine d'agriculture et l'élevage pour permettre à ces gens même d'intégrer, c'est pas seulement vraiment d'autres services, mais quand même l'agriculture et l'élevage. Et aussi vraiment, ça fait partie de l'économie du pays. On a encouragé les jeunes aussi de voir, d'aller de l'autre côté, de voir la terre aussi, l'élevage. On a mis vraiment des budgets spéciaux pour cet vraiment domaine, pour encourager les jeunes d'aller cultiver et de. Surtout dans les zones méridionales du pays. Et ce programme, ça va continuer dans d'autres pays, dans d'autres zones du Tchad aussi. Et surtout dans le province d'autres pays, pour donner une occasion à tous les jeunes de provinces du pays pour avoir du travail. Pour encourager les jeunes aussi de continuer et de lutter et de suivre la formation de temps en temps à ce que jusqu'à ils vont vont travailler sans difficulté parce qu'ils ont déjà vraiment l'expérience acquise. L'office continue toujours de faire la promotion d'emploi d'une manière ou d'une autre pour la jeunesse tchadienne. En outre, on est en train de viser comment vraiment de lutter contre le chômage. Parce que le chômage vise vraiment la jeunesse dans la délinquance. Et là aussi, on a pensé de voir ça, essayer de voir avec la jeunesse, surtout avec les associations, comment les orienter, comment le former pour que essayer de former certains jeunes de ne pas quand même d'aller faire des choses d'entrée
d'intégrer dans le PIB. Et là, c'est parce que ça aussi, ça constitue vraiment notre force et notre objectif qu'on est en train de faire maintenant. Parce que sous ça, parfois, c'est le chômage qui pousse à la jeunesse de faire des choses. À travers ce projet de soutien qui presque 5 ans on est en train de faire. À travers ce programme, dans 5 mois passés, presque 1 million de gens on les a formés dans le domaine de la culture. Presque des centaines de femmes aussi, ils ont vraiment eu la chance d'avoir cette formation. Juste, c'est pour leur permettre d'alléger leur situation sociale. Et juste pour créer des projets. Et ce projet, on a travaillé en partenariat avec l'Office national et le gouvernement et certains partenaires pour orienter le jeune. Encore, concernant le programme de soutien du diplôme, ou ceux qui n'ont pas vraiment le diplôme, la promotion, on a encore maintenant un programme, et puis il y a un programme pour ça. On a un programme pour le soutien pour la formation des jeunes. Et pour permettre aux jeunes de trouver le travail, marché du travail, et pour leur donner des crédits, et pour avoir des expériences aussi. À cet effet, c'est-à-dire le jeune diplômé ou non diplômé, on a décidé de leur donner encore une autre chance pour qu'ils puissent vraiment tenter leur chance à travers vraiment ces projets que nous avons initiés et d'entamer d'autres activités, à part vraiment l'intégration ou bien des pensées ou des rêves d'être entré dans les fonctions publiques. Un programme de soutien pour les jeunes, sans toutefois, c'est-à-dire avoir soutien financier. Pour la formation, nous on a des programmes pour le centre, c'est-à-dire certains centres. On a encore fait la formation dans le centre sanitaire pour certains jeunes des instituts dans certains centres. L'objectif de cet programme d'aider vraiment cette jeunesse, c'est-à-dire les jeunes qui ont déjà fini leurs études d'université, n'ont rien à faire, c'est-à-dire dans ce domaine sanitaire, on a pu penser et puis de former ces gens-là dans ces domaines ou de leur créer, de faire leur promotion qu'ils doivent être intégré quelque part ou recruté. Cette formation, cette promotion, c'est au bénéfice de jeunes ou de la population qui a en besoin. C'est-à-dire les gens qui sont maintenant concernés sur ce projet, presque centaines de jeunes. Et puis, on a formé presque centaines de gens dans ce domaine.
pour attendre jusqu'à ces gens l'attendent jusqu'à maintenant sur l'intégration ou bien d'attendre peut-être récupérer quelque part dans une entreprise. Et on a donné vraiment une occasion pour ces jeunes à toujours, parce qu'on est en train de faire la formation, continue. On demande à chaque entreprise de nous aider et puis de voir, parce qu'on va amener ces jeunes-là parce qu'ils ont fait pour faire les stages. Et puis finalement, ils attendent vraiment l'intégration ou bien d'être recrutés. 1660 gens sont maintenant formés et puis formés de maintenant ils attendent seulement d'être recrutés quelque part et on a eu la chance de eux-mêmes de pouvoir créer vraiment leur entreprise par zéro fonds, avec zéro fonds. Et puis ils vont bénéficier de ça parce que la formation leur permet encore d'être vraiment avoir d'expérience. Et puis on est en train toujours de travailler avec des entreprises et avec les responsables du pays. Ça se joint qu'on les a remis dans le domaine de l'électricité, de la construction, puis dans le domaine des santé. Aussi, ça c'est pour le programme de formation dans le domaine de culture marchaire. Aussi, ça c'est le domaine de l'électricité, froid et dans la couture. Et dans le domaine des communications, dans le domaine de communication aussi, on entend former gens. Et puis, c'est un programme qui a initié au financement de la promotion. C'est juste, c'est toujours pour orienter la jeunesse tchadienne à de prendre son destin en main et puis de sortir vraiment de cet embarras et d'être intégré dans leur vie quotidienne et puis de prendre en charge. Et dans le domaine économique, on est en train toujours de se battre pour aider vraiment la jeunesse de trouver le travail évidemment, et donner leur occasion de trouver vraiment des travail. Et à travers la formation, on est en train de faire ces formations juste c'est pour les jeunes d'aider dans et même de contribuer d'une manière ou d'une autre dans le développement économique du pays. Et là, tout c'est vraiment ce initiative de l'Office national pour la promotion d'emploi. Et on en a fait aussi notre projet dans les programmes d'agriculture. Vous souvenez, notre pays, on est en train de traverser une crise économique. Là, parce que nous aussi, on de notre devoir d'aider le gouvernement de sortir de cette situation. Et là, on est en train de penser d'aider les jeunes. Cette crise a vraiment traversé ce pays parce qu'on a eu des difficultés et l'office est en train de toujours penser pour créer des programmes de formation, du projet et pour les gens qui n'ont pas de travail, surtout le chômeur, parce qu'on a vraiment à travers cette formation, nous on peut créer vraiment nous pouvons créer des occasions pour les jeunes de trouver travail. Et c'est pour aider la politique du gouvernement
puisque vraiment les jeunes trouvent leur place dans cette société. Et on rentre aussi la jeunesse dans le domaine touristique. Aussi, c'est vraiment rentable pour le pays. Notre pays, c'est un pays touristique. À cet effet, l'Office national a fait beaucoup de choses dans ce programme et puis a aidé beaucoup vraiment les jeunes dans le domaine des formations professionnelles. Et à travers cet atelier, l'Office a soutenu beaucoup vraiment les associations, en tout cas à travers des formations, des ateliers au bénéfice des jeunes tchadiens. Merci.